Quel est le meilleur milieu de l'histoire? Offensif, défensif? Selon toi, genre, c'est vraiment tes préférences? Disons. Hein. Qui est le meilleur milieu de l'histoire du football? Simple, clair, net et précis, mon père Zinedine Zidane. Et tous les rebeux, c'est Zinedine Zidane? C'est pas tous les rebeux, c'est t'es français, t'aimes le foot, t'es ce que tu veux, c'est Zizou. C'est lui qui m'a fait aimer le football. Ça, tu me mets dans la merde. Pour moi, le meilleur milieu de l'histoire, je pense que je vais mettre Zidane. Zidane? Ouais, je pense. C'est les contrôles porte-manteau, c'est les enroulés, c'est les transferts. Ah non, Zidane, c'est un truc en vrai. Pour toi, quel pays a le plus grand héritage footballistique? Brésil. Le Brésil, pourquoi? Ouais. Parce que quand tu penses foot, tu penses Brésil. J'aimerais dire l'Algérie. Nous, on est deuxième, je pense. Mais on va dire, tu vas me prendre pour un fou, les Pays-Bas. Parce qu'ils ont apporté dans le foot, que ce soit à l'époque de Cruyff, que ce soit à l'époque de Van Basten, leur football me fait rêver. Le plus grand héritage, la France. Frère, on est trop fort, tu vois, ces 10 prochaines années, on va tout prendre. Euro, Coupe du Monde, prochaine Euro, prochaine Coupe du Monde. T'imagines, on va avoir des Kamavinga dans 10 ans, ils ont 32 ans en vrai. Quel est le joueur que la street n'oubliera jamais? Tarab. Ah, des Tarab. Tarab.